viennent de sortir, c'est les highlights ESOIC pour le troisième trimestre 2022. Donc les highlights, c'est en fait la mise en avant de certaines données qui ont été extraites des Big Data Analytics d'ESOIC et qui essayent de nous montrer d'une manière un peu plus sympathique en fait quelques données qui intéressantes sur les visites de nos sites web. Donc si vous utilisez déjà ESOIC, vous avez aussi accès à ce rapport un peu dans votre dashboard d'ESOIC sur l'onglet récompense en haut à droite de votre écran. Et si vous n'utilisez pas encore ESOIC, je vous invite à utiliser le lien dans la description pour optimiser, monétiser vos sites web, héberger vos vidéos, livrer vos pages web plus rapidement, etc. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voyons maintenant ce que ESOIC nous a préparé, quelques informations intéressantes sur ce qui s'est passé sur notre réseau de sites web pendant ce troisième trimestre 2022. Donc, tout d'abord, nos sites ont eu 1 270 000 pages vues dans les 3 derniers mois. Et on va en voir un peu plus en détail qu'est-ce qui s'est passé avec ces 1 270 000 pages vues pendant ce trimestre. Donc, typiquement, le jour où nous gagnons le plus d'argent, c'est les lundis, donc ce qui est tout à fait normal puisque la plupart de nos sites ont des articles plutôt orientés affaires, business, donc c'est plutôt quand les gens sont au travail qu'on a des visites et qu'on gagne de l'argent, généralement. Alors avant, c'était plutôt les mardis, mercredis. Là, pendant ce troisième trimestre, ça s'est passé au lundi. Donc c'est peut-être aussi parce que pendant ce trimestre, il y avait les mois de vacances de juillet et août. Peut-être que ça a influencé d'une manière ou d'une autre. Peut-être que le lundi, les gens travaillaient plus que les autres jours et avaient plus tendance à, en tout cas, aller sur nos sites. En général, les gens ont plutôt visité nos sites sous un ciel bleu. Bien sûr, puisque c'est le plus beau mois de l'année, on se doute bien que ça aurait été difficile de les regarder sous la neige. 951 000 personnes ont visité nos sites pour la première fois jamais enregistrée pendant ce trimestre. Donc 950 000 visiteurs qui n'ont jamais vu aucune de nos pages avant. Donc tout ça, c'est des nouvelles visites. Et 5% de ces nouveaux visiteurs sont revenus une seconde fois, donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc encore une fois, une statistique intéressante. À laquelle que vous pouvez trouver vous-même dans les Big Data Analytics, bien sûr, mais bon, vu qu'il y a tellement de rapports, etc., là, ESOIC l'a fait pour nous. Donc, en utilisant ESOIC, on a gagné assez juste pendant ce trimestre pour acheter 2 299 cafés et rester réveillé assez longtemps pour travailler, donc, ce qui est pas mal. Donc, par exemple, en général, je bois entre peut-être 2 et 3 cafés par jour. Donc, rien que pendant ce trimestre, l'argent que j'ai fait avec ESOIC a largement payé de quoi m'acheter ces cafés, même en allant au café, en prenant même des cafés assez chers, alors que je l'ai fait chez moi. Et voilà. Avec le cloud d'ESOIC, nos pages, notre contenu a été livré 29% plus rapidement que les pages qui n'ont pas été mises en cache par ESOIC, donc principalement avec l'outil donc le ESOIC Cloud, mais aussi ESOIC Leap qui optimise ces pages. Donc les pages en fait sont mises en cache sur les serveurs d'ESOIC un peu partout dans le monde. Et donc quand les visiteurs accèdent à ces pages grâce à ESOIC Cloud, c'est les versions locales de ces pages qui sont livrées, qui sont plus proches, optimisées, etc., qui sont livrées aux visiteurs à la place de la version qui vient du serveur. Et le serveur, lui, qui est dans la plupart des cas plus loin des visiteurs que les serveurs cloud d'ESOIC. Donc, encore une fois, je vous invite à utiliser cette technologie qui est encore une fois gratuite pour tous les utilisateurs et utilisateurs d'ESOIC, donc les éditeurs web qui optimisent leur site avec ESOIC. Et pendant notre première semaine, le meilleur EPMV, donc le gain pour 1 000 visites, était de 8,80 $, ce qui est plutôt très bon. Puisque donc par exemple le PMV moyen que nous avons observé en septembre était à 7 $, en août c'était encore moins, en juillet c'était encore moins, donc c'est plutôt un très bon PMV. On aimerait avoir ça plus souvent et tout le temps, et bien sûr que ça continue à grossir. Donc cet EPMV, ce revenu moyen pour 1 000 visites,
et 239% plus grand que le PMV de notre plus mauvaise semaine. Notre plus mauvaise semaine qui était très certainement en juillet, quand tout le monde était en vacances. On a eu aussi en gros sur le mois de juillet le plus mauvais PMV des deux dernières années. Donc bon, c'est tout à fait normal qu'on ait une différence aussi grande, donc de 1 à 2,5 quasiment d'une semaine sur l'autre, donc d'une mauvaise semaine en juillet pendant les vacances, comparé à une bonne semaine en septembre quand tout le monde est revenu au travail et recherche des infos qui sont sur nos sites. La catégorie d'articles la plus populaire en nombre de pages vues, c'était la catégorie Instagram, donc sur notre site helpsmartphone.com, où on a plein d'articles sur comment utiliser Instagram, gérer les erreurs, etc. Et en parlant donc de revenus, c'est nos articles sur SAP, l'interface graphique SAP, qui ont rapporté le plus d'argent. Voilà. Notre auteur qui a rapporté le plus d'argent et de pages vues, c'est HelpSmartphone, donc les articles natifs donc rédigés par nos soins de HelpSmartphone. Voilà, donc c'est aussi notre site qui a eu le plus de succès pendant ce troisième trimestre de l'année. Ensuite, les visiteurs ont vu 646 de nos vidéos, pour un total de 674 000 fois, et c'est 310 000 minutes de vues au total. C'est énorme, sachant qu'avec YouTube, on a bien moins que ça. Notre vidéo la plus vue, c'est une revue de Windows 11. Et pourquoi est-ce qu'on est retourné à Windows 10? Parce que ça ne marchait pas du tout. Voilà, donc cette vidéo a eu 18 000 minutes de vue, sachant que c'est une vidéo qui dure à peu près 10 minutes, ça veut dire 1800 vues au total, donc ce qui est vraiment pas mal. Et bien sûr, ça aussi fait de l'argent. Donc tout ça, c'est possible grâce au réseau Humix d'Ezoic, réseau sur lequel vous pouvez mettre vos vidéos. Vous pouvez, avec un seul bouton, les télécharger de votre chaîne YouTube sans aucun problème. Les vidéos ensuite apparaissent pour les moteurs de recherche comme hébergées sur votre site, ce qui vous rapporte encore plus de visites. Et donc, bien sûr, je vous invite à le faire. C'est gratuit, encore une fois. Vous pouvez ainsi monétiser vos vidéos directement, sans aucune limite de vue ou quoi que ce soit. Et ces vidéos donc sont monétisées sur vos sites, sont affichées et monétisées et sur vos sites et sur les sites des éditeurs partenaires qui ont activé l'option. Voilà. Donc, bravo pour tout ce qu'on a fait pendant ce troisième trimestre. Bravo pour nos résultats avec Ezoic. Donc, je vous encourage à utiliser Ezoic. Vous avez le lien en description. Si vous utilisez déjà Ezoic, vous pouvez avoir votre propre rapport dans l'interface d'Ezoic, le tableau de bord, en haut à droite, l'onglet récompense. Et voilà, donc, vous voyez par vous-même et dites-nous un peu où vous en êtes. Donc, on vous souhaite à tous, bien sûr, le plus de réussite possible. Merci.